Bon, est-ce que t'es posé calmement, hein, mon petit Robert? Parce que là, ma gueule, on va se décortiquer une nouvelle étude Benkoudi qui a été annoncée pour janvier 2023. J'en ai marre. Il faut faire du tri, il faut dégager tout ce que j'ai à la maison, genre les petites figurines, faut tout virer. Parce que Bandai a tout compris. Ils ont compris surtout une chose, c'est que les vieux de la vieille sont là, les vieux de la vieille vont répondre présent, les vieux de la vieille vont claquer de la thune, et puisqu'on nous sort des personnages qu'on veut. Alors certes, ce sont des personnages qu'on connaît par cœur, hein, Goku, etc. Mais bordel, c'est le genre de Goku que je veux à la maison. Et là, les figurines qu'on a vues de Game Center, Goku tenue Saiyan, Gohan tenue Saiyan, j'en ai vraiment plus rien à faire. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Diapan. On va parler de... Alors, Ichiban Kuji, Dragon Ball vs Omniverse, great. Attention, ça fait mal au fion. Vous êtes chaud, c'est parti, on y va, let's go. Alors, on commence ici, eh bien, avec un Gohan et un Piccolo exhibé de Dragon Ball Super Super Hero qui ne m'attire absolument pas. Moi, je m'en bats les couilles. Ah, je te le dis, franco, hein. 790 yens le ticket, pardon. Ils ont augmenté les prix. Pardon. C'est quoi ces conneries? Mais ils vont pas augmenter à chaque fois, putain j'en ai marre. On passe de 730 à 790 là. Putain de merde, déjà que les ex c'est 810. Ils vont être quoi, 860? Oh putain de merde. Allez on y va, on y va, on y va. Calme-toi Marty, oui, laisse-moi boire mon petit sirop à la cerise. Ça adoucit la gorge. Messieurs, dames, on commence avec le A qui est Son Gohan du film Dragon Ball Super Super Hero. J'aime bien le délire, on part sur un Gohan qui existe déjà. C'est une reprise d'une autre Ichiban Kuji qui arrive en octobre, si je dis pas de bêtises, cette année quoi qu'il en soit. Et donc, ils lui ont rajouté les lunettes, ils lui ont rajouté la cape, elle est très jolie. Là, je parle objectivement parlant, elle est très jolie, 25 cm, elle est très bien réalisée. Les pompes, faut aimer, bon c'est le design de Super, hein. Super Hero. Voilà, elle est vraiment très 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 jolie. Quand il arrive, je vous dis pas où, quoique vous l'avez vu dans la bande-annonce, hein, sous la pluie. Vénère comme ça, le regard déterminé, on est d'accord, il claque sa maman. Moi, il ne m'attire absolument pas, je m'en fous, super-héros. Si un jour je vous déballe du super-héros, c'est pour vous déballer du super-héros. Ce que j'entends par là, et comme je le fais avec certaines figurines, je vous déballe la bête, je vous donne mon avis, je m'en débarrasse. Là, par exemple, je vous dis vraiment, elle est jolie, mais moi, je n'en veux pas. Voilà. Donc voilà, le lot A, 25 cm de la bombe atomique, c'est plutôt bien réalisé. On continue avec un Piccolo, avec sa nouvelle forme. Donc, Ultimate Piccolo. Moi, je l'aime bien. Hein. J'aime bien ce nom, Ultimate Piccolo. Bon, c'est pas son nom officiel, mais j'aime bien. Un potentiel éveillé, mes couilles. Donc, elle est très jolie. Elle est plutôt bien réalisée. Ça reprend exactement le Piccolo, l'autre Piccolo, où il a les bras un peu sur les côtés, avec les griffes. Voilà, il est prêt à griffer comme un petit chat. Et franchement, elle est très bien réalisée. Mais encore une fois, c'est pas pour moi. Pas fan du tout de ce que j'ai sous les yeux. Au moins l'avantage de cette transformation là, ils se font plus chier à foutre des traits sur les bras, hein, ils font du plastique lisse et puis basta. Pour ceux que ça intéresse, donc elle mesurera 19 cm. Faut rajouter 1 ou 2 cm à chaque fois. À chaque fois, on nous annonce 19 cm là pour Piccolo par exemple. Faut rajouter 1 ou 2 cm messieurs dames. Vous êtes prêts? Et là on commence à parler. Là, les vieux de la vieille, ils ont le kiki tout dur, le pantalon il est prêt à craquer, sortez les mouchoirs, let's go. Ah oui! Ah ouais! Ouais, de toute façon, tu l'as vu dans la vignette, ça sera sur la vignette. C'est putain de bon, quoi. C'est putain de bon. Sortez-moi Super Vegeta, s'il vous plaît. Sortez-moi un vrai putain de Super Vegeta. L'OC. Vous l'avez donc vu, je bois un coup. Goku. Cette fameuse transformation que j'appellerais Super Saiyajin 1.5, qui décuple, la musculature, la force, mais au niveau des mouvements, on est en mode ralenti. Vous l'avez vu dans le manga, dans l'anime, etc. On nous sort du coup ce Goku en tenue Saiyan, avec un regard mais magnifique, Super Saiyajin, avec un corps mortel. Alors, soyons clairs, nets et précis. Bandai ne se fait pas chier. C'est la Trunks hein, derrière. C'est la Trunks, ça. Attends, je vais la chercher, mon Goku, bouge pas. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré la base du corps de Trunks, qui est juste là. Bim. Voilà. Je te laisse admirer, par exemple ici, au niveau des hanches, regardez bien les traits sur les côtés, regarde bien la musculature, regarde bien la forme du corps, et quand je reviens en plein écran, bim,
tu as exactement la même chose. C'est la Trunks au niveau du corps. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont changé la tête. Ils ont foutu Goku en Super Saiyajin. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Si vous voulez, Bandai, faites encore la même chose avec Vegeta. Et c'est parti, let's go. Et je mets les trois. Mais bordel, comme ce serait trop trop beau de mettre ça dans une vitrine. Avec, ici, regardez, tu mets Trunks. Voilà, ici, Goku de ce côté-là, Vegeta de ce côté-là, avec une musculature de titan comme ça. Mais bordel de merde, je signe, hein, je m'en fous que vous faites des plagiats de figurines. Hein. Voilà, on vous crame à chaque fois de toute façon. Et je la veux, bien évidemment que je la veux. Bien évidemment, je veux, dès qu'il y a de la testostérone, dès qu'il y a du muscle de mammouth divin dans... Oh putain de merde! Je prends une voix aiguë, parce que j'ai éjaculé. Quoi Marty? Quand tu jouis, tu prends une voix aiguë? Bah ouais, je suis désolé. Hein. Ah, petite voix aiguë comme ça. Bref, du Goku en Super Saiyajin avec une musculature de titan. Je dis oui, je signe, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Pas fini. Tiens, on te sort un Gohan en Super Saiyajin avec la tenue Saiyan, mais bordel de merde, c'est ce que je veux. Alors, c'est ce que je veux, oui. Et j'aurais plus aimé, mais alors là, dans le mode kiff total, avoir le Gohan avec les cheveux longs. Les cheveux longs qui essaient de basculer en Super Saiyajin. Vous vous souvenez de cette scène où t'as l'impression qu'il est en Super Saiyajin 3? Ça aurait été un bonheur. Mais franchement, je suis content de ce qu'on a sous les yeux. Je suis extrêmement content de ce qu'on a sur les yeux. Donc les deux petites figurines qui déboulent dans les Game Center là avec leur tenue Saiyan, rien à branler, je veux de la qualité, je prendrai celle-là. Et généralement, et si c'est fait comme la Super Trunks, hein, de ce côté-là, voilà, le rendu est vraiment magnifique. Donc je n'ai aucune crainte de ce côté-là. Modélisation impeccable, cheveux impeccables, regard impeccable, corps impeccable, tout est impeccable. Bref, je veux absolument ça à la maison. Il n'y a pas d'autre mot. Lodé, fou. 15 cm, on n'a pas parlé de Goku. 25 cm, oh là là. Mais putain, les deux. Incroyable. On enchaîne. Un petit méca freezer. Hein. Alors, je suis très curieux de découvrir le produit définitif. Est-ce que les parties métalliques seront chromées? Est-ce qu'ils ont donné un peu cet aspect froid, métalleux? Hein, justement aux bras, aux jambes, etc. Parce que vous le savez, au niveau des photos, au niveau du rendu, c'est pas forcément ça. Eh bien, je trouve ça classe, un petit méca freezer. Alors, je vais pas sauter dessus. Je m'en fous un petit peu. Quoique, je suis en train de réfléchir. Puisque, c'est malin, en plus, c'est la même série. Pour rappel, donc, ce qui arrive cette année, il y aura un Trunks en Super Saiyajin énervé. Mais tu le mets en face de Mecha Freezer avec le petit sourire vil comme ça. Mais c'est impeccable. Mais bordel de merde, faut que je me débarrasse de toutes mes petites figurines. C'est bon, stop. Je vais faire que des Ichiban Kuji au bout d'un moment. Stop. Bon, c'est pas ma priorité. C'est pas vraiment ma priorité. Ma priorité, c'est vraiment Goku. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Bref, Mecha Freezer, ça change. Ça fait plaisir. Certes, c'est du Freezer encore. Mais bordel de merde, Mecha Freezer 19 cm. Mais attendez, ce n'est pas tout. Deuxième priorité. Deuxième figurine que je veux absolument. T'es chaud? C'est parti. Oh putain de merde. Le roi Cold. Et un vrai roi Cold et pas les merdes qui nous ont sortis chez Premium Bandai. Voilà. Là, un vrai putain de roi Cold. Bien modélisé. Qui a la classe. Qui est badass. Qui est bien foutu. Qui est... Bordel de merde! Vers l'infini et au-delà. C'est bien d'être malade, je peux faire des imitations de Buzz l'éclair, avec une voix un peu plus grave. Non mais sans déconner là. Stop. On en a gros. Oh putain. Tout ce qu'on voulait depuis des années, on nous le sort maintenant depuis 2-3 ans. Bordel. Et c'est pour ça que j'ai hâte, et je le redis, hein, que Bandai communique sur la prochaine Ichiban Kuji centrée sur les films. Vous allez voir qu'on l'aura, notre beau Jacques. On va l'avoir, notre beau Jacques. Je n'en peux plus. Je veux mon putain de beau Jacques. Donc, Roi Cold, deuxième priorité avec Goku. Les deux, ça finit clairement à la maison. Après, si j'ai Gohan, je suis content. Mecha Freezer, oui, pourquoi pas. Et on va terminer avec la Last One qui est un peu étrange. Il s'agit de Cell. Cell, donc... Perfect Cell, mais quand il bascule en mode full power, énervé, Super Saiyajin 1.5. Hein, dans le même délire que Goku avec les muscles développés.
Et je sais pas pourquoi, mais je... Ça me dérange, il y a un truc qui me dérange. L'effet brillant sur les parties noires. La modélisation qui fait trop insecte à mon goût et peut-être pas trop manga. Je sais pas. À voir en vrai. Après, c'est cool. C'est méga cool. On nous sort un sel vénère avec des muscles comme ça et tout. Ils auraient pu faire en mode délire le sel en mode... donc deuxième forme. Quand il gonfle, qui devient énorme, une sorte de boule géante. Ça aurait été cool. Je veux dire, on a des Ichiban Kuji avec des Last One, genre Polunga, Shenron, à des tailles démesurées. Ils peuvent faire le délire comme ça. Mais ils sont partis dans un autre délire, hein, le mode Full Power avec le corps démesuré, machin, mes couilles. Pourquoi pas. Après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les Venaces. T'as vu des Venaces? Évidemment. J'ai un radar à Venaces, moi, dans l'œil. Regarde. Regarde, regarde, regarde. Regarde, au niveau du cou. Brah, 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 brah. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je suis très curieux de la découvrir. Là, comme ça, je dis, ouais, pourquoi pas, sans plus, bof. Tu vois, le mode, ouais. Mais, à voir, en vrai, j'imagine que au final, je vais avoir le cerveau retourné. Et les yeux vont se régaler. Donc voilà, messieurs, dames, pour rappel, on a donc du Gohan, très bien réalisé, du Piccolo, du classique, mais bien foutu, du Goku en Super Saiyajin, mode vénère, pétage de gueule, ça finit à la maison, même si c'est un plagiat, du Gohan, enfant, tenue Saiyan, Super Saiyajin, je prends, il m'en faut une. Du Mecha Freezer, pourquoi pas, et elle a pas l'air dégueulasse. Le Roi Cold, évidemment, ça finit à la maison. La selle, à voir. On a fait le tour de cette Ichiban Kuji là. 790 yens par contre, ils abusent leur maman. Et on a fait le tour. Voilà. Après, pour le reste, on s'en fout. Hein. Les trucs, il y a des serviettes, toujours des putains de ça. Ah, Visual Board. Des Visual Board. Hein, les fameux posters en plastique là. Je me dis oui. Bah écoutez, on a fait le tour, c'est bon. Voilà, c'est bon Marty, allez, stop la vidéo. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ah moi je suis excité comme une puce là. Oui, je suis d'accord, je signe, oui. Et vraiment, les petites figurines, malheureusement, faut que je m'en débarrasse. Hein. Il y a trop de petites figurines là. Parce que je veux que des grosses figurines comme ça, des Ichiban Kuji bien réalisées tout simplement. Bon voilà les amis, on a fait le tour. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao.